Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur mes ongles, puisque j'avais envie de vous parler d'une marque qui s'appelle la marque Impress. Donc, je vous en parle tout de suite, puisque c'est une marque qui propose en fait des sortes de kits comme ceci pour faire de jolies manicures. Donc, c'est la marque Kiss New York Impress Gel Manicure. Je ne sais pas du tout si vous connaissez ce style de marque. Je sais que ça commence à devenir de plus en plus en vogue en ce moment. J'ai reçu par la marque, grâce à Octolis, vous en avez déjà parlé. Octolis, si vous êtes youtubeuse et que vous avez envie d'avoir des produits gratuits, ben lancez-vous sur Octolis. Je vous mets mon lien en barre d'infos. Donc, j'ai reçu ces deux petites choses-là, une petite lime. Et je me suis dit que, bah, vu que j'avais enlevé ma manicure en gel il y a 2 jours, je crois, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je pouvais mettre ça en place. En revanche, mes ongles sont assez longs, donc il faut que je vois si ça passe et si ça dépasse pas, en fait, si mes ongles ne dépassent pas les faux ongles. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal parce que ce ne sont pas des faux ongles en fait que vous collez avec une colle et qui va vous abîmer l'ongle. C'est des sortes de faux ongles qui se collent en fait avec un autocollant. Et il paraît qu'ils ont une tenue de dingue. Donc, on va tester ensemble. Crash test du jour puisque je les ai pas du tout testés. Donc, je vous montre ça tout de suite en de plus près et puis ben, on voit le résultat après. Donc voici ma future manicure. Maintenant, c'est parti pour l'installation. Voilà, vous avez vu un petit peu comment j'ai mis en place cette petite manicure. En fait, ça se fait super facilement, donc petit bilan ensemble. Je ne sais pas si vous aurez vu toutes les étapes, mais dans tous les cas, on a une petite lingette comme celle-ci, enfin fournie avec, on a une petite lingette comme ça qu'on passe sur chaque ongle pour nettoyer l'ongle. Bien sûr, avant, on s'est lavé les mains, etc. pour avoir les mains au top. Ensuite, on décolle la petite languette sous l'ongle.
Et on vous. Enfin, je vais vous montrer. Donc là, j'ai utilisé celle-ci. Donc, qui était. Est-ce qu'il y a une référence? Alors là, je ne sais pas s'il y a une référence. Mais dans tous les cas, voilà. Un ongle comme ça, vous avez une petite languette. Je l'ai décollé à chaque fois. Alors, avant, j'ai sélectionné les ongles que j'allais mettre. Hein, je vous ai montré. J'ai décollé la petite languette et je l'ai posée directement. En la posant, il faut bien appuyer au centre de l'ongle et après aller sur les côtés pour que la colle vraiment imprègne tout l'ongle. Et voilà le résultat, c'est hyper rapide, c'est hyper facile. Honnêtement, j'ai trouvé ça dingue. Moi, j'ai les ongles assez longs, donc vous allez dire, j'aurais pu faire une manicure normalement, simplement. Mais là, je me suis dit, je voulais tester déjà avec vous pour vous en dire mon avis. Et en plus de ça, je voulais voir aussi la durée. Donc, si d'ici là, j'ai pu faire le montage et vous dire la durée, je vous remettrai dans la notation. Sinon, je vous invite à aller sur Instagram pour aller voir ce que j'en ai pensé. Au niveau de la durée, il paraît que ça dure une semaine à 2 semaines, donc je vais voir ça avec plaisir. On vous explique tout en fait à l'intérieur, vous avez une sorte de petit manuel comme ça, on vous explique tout. On vous fournit donc ici il y a la petite lingette et une petite lime pour les limer à la fin, à la taille que vous voulez. Honnêtement, c'est super facile à faire, je suis assez impressionnée. Ce que j'ai trouvé un petit peu casse-pied, c'est que moi j'aurais bien voulu en fait les avoir tous de cette couleur-là et juste un comme ceci ici. Donc en fait, il s'avère que quand on cherche les tailles, bah, il n'y a pas forcément celui qu'on veut à l'endroit où on veut. Ça, c'est un petit peu dommage. Je suis pas fan en fait des motifs fleuris et pailletés. J'aurais préféré qu'il y ait que l'un ou que l'autre. Bon, voilà, ça c'est mon avis personnel, c'est au niveau des goûts. Sinon, au niveau de la pose, c'est hyper facile, hein, vous l'avez vu. Ça prend, je pense que ça m'a pris 10 minutes, c'est super rapide. C'est hyper naturel. Moi, j'aime pas du tout les faux ongles. Il faut savoir tout ce qui est faux ongles, ça, je trouve ça. Je suis pas fan en fait sur moi, mais là je trouve que c'est hyper naturel, ça gêne pas en fait, quand on fait des choses et tout, ça gêne pas, voilà. En plus c'est raffiné, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos, enfin en commentaire, et j'ai reçu cette petite lime, qui d'ailleurs est une lime lavable, parce que je trouve ça très bien, et elle est vraiment bien parce qu'elle a un côté hyper rugueux, qui est beaucoup plus, qui lime vraiment fort, et un côté un petit peu moins rugueux, qui lime, mais en douceur, qui va pas vous casser l'ongle. Donc là, c'est bien pour les faux ongles, mais je pense que même sur les ongles naturels, ça peut être vraiment très sympa. Donc ça, je suis super contente. Donc, je pense que je vous ai dit mon avis, mais j'ai trouvé ça super facile. Vous pouvez trouver ça où? Les fameuses manicures Impress Gel Manicure, qui fait un peu un effet gel. Ah oui, ils ont mis comme ça, d'accord. Bah ouais, mais moi je pouvais pas. Regardez, eux ils ont mis comme ça. Et moi je pouvais pas le mettre comme ça. Ça rentrait pas au niveau de la taille des ongles. Donc voilà. J'ai fait dans l'autre sens, c'est pas grave. Et au niveau de ces manicures, en fait, vous les trouvez maintenant chez Sephora. Vous pouvez les trouver aussi chez Carrefour et chez Casino. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le prix quelque part. Je crois que c'est une dizaine d'euros. 9 euros, je crois. Mais je suis plus sûre à 100%. Donc je vous remercie le prix. Honnêtement, pour l'instant, je suis conquise. Je trouve ça très facile à mettre pour celles qui ont des ongles très courts. Je pense à ma petite Mélanie. Honnêtement, lancez-vous. Ça a l'air vraiment sympa. Moi, j'ai des ongles plutôt longs, donc ça serait peut-être qu'occasionnel pour une manicure qui dure une semaine, 2 semaines, soyons fous. Mais ça peut être vraiment original. Donc, pour celles qui ne sont pas adeptes des manicures et qui n'aiment pas en faire tous les 3 jours, honnêtement, ces petites choses-là sont faites pour vous. Surtout si vous avez les ongles courts. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète, hein, on s'en fiche. Et alors, justement, je vais voir aussi la résistance de la colle au niveau de mes cheveux. Parce que moi, j'ai tendance à passer mes mains dans les cheveux dans la journée, etc. À les accrocher, machin truc. Et du coup, il faut voir si les ongles, pour l'instant, ça s'accroche pas trop, sauf au niveau du pouce. Donc, on verra si ça tient. Voilà, je suis vraiment conquise par cette petite marque. Merci encore à la marque de m'avoir envoyé. Et je pense tester les autres prochainement et peut-être vous en offrir un dans le concours des 10 000 abonnés. Donc restez connectés. Je vous fais plein de bisous. Ciao!